Salut tout le monde, c'est Lunora, un petit War Recap avec les sorciers de glace. Donc c'est une guerre contre Booba or Us. Je sais pas qui est Booba, mais il est à eux autres. Contre Cœur de Loup, bien sûr. On va voir Glouton sur Plasma. Glouton qui a attaqué avec un masque cochon. Une attaque classique pour les étoiles de level 8. Il commence par envoyer quelques cochons dans le rayon du château clan. Ce qui était facile à faire. Puis après ça, il va juste envoyer une petite archère pour l'attirer là. Il met un sort de poison. Il met des archères dans le sort de poison. Tranquillement, pas vite. Il veut pas tuer toutes les troupes avec ses archères. Il veut laisser faire sort de poison. C'est pour ça qu'il met juste des archères pour les faire promener. Ça lui a pas coûté cher d'archères. Il en reste en masse pour son clean-up. Puis après ça, tout ce qu'il a à checker, c'est les doubles bombes, où ce qu'ils peuvent être, puis essayer de les éviter, pas rentrer avec un gros paquet de cochons ensemble, d'y aller avec des cochons plus séparés, pour être certain que d'avoir un sort de guérison quand ces cochons vont pogner une grosse bombe. Il y a les 6 petites bombes de ta même place, donc la place pour les grosses bombes, c'est pas mal dit où ce qu'ils sont. Il est capable déjà 2 places de l'éviter, la manière que les défenses sont placées. Puis, il y a des bonnes chances. Là, une grosse bombe qui est placée centrale, donc c'était pas une double. Ça fait pas si mal que ça. Il reste à tour à bombe, le roi comme menace, un canon avec une tour d'archère à droite, que le gros paquet de cochons fonce directement dessus. Puis, le dernier canon est détruit. Il va rester le roi niveau 3. Pour être capable d'arriver à faire le 3 étoiles. Ce qui est juste une formalité quand vous n'avez pas de place en vraiment, vraiment avec des grosses bombes. Surtout avec la tour à bombes jumelée, proche entre deux défenses. Vous avez le beau rôle en GV8 avec les cochons. Cochons niveau 4, bien sûr. Faites pas ça avec des cochons niveau 2, ça marchera pas très très bien. Donc le prochain, on va aller voir Ombre sur le 11. Qui fait un go mobile avec des sorciers de glace. Il prend son temps. Ok. Golem sorcier. Il envoie les sapeurs entre les deux salves de la tour de sorcier. Comme ça, il est correct que ces sapeurs ils ont pété le mur. Sinon, la tour de sorcier aurait pu toutes les éliminer. Il envoie les petits sorciers de glace direct au centre qui gèlent le canon pour préserver le golem un peu plus longtemps. Et le golem, lui, il revient d'abord, il s'en va au canon qui est à l'extérieur. Pendant que les sorciers de glace gèlent la tour d'archer. Puis la reine, il lui reste encore un bel entier rien à détruire. Puis après ça, il envoie les ballons en back-end avec les monos, les sorts de précipitation pour faire en sorte que ça avance pas mal plus vite. Les Tesla qui ont fait une belle ligne de défense pour dire où est-ce que les ballons se rendent carrément à l'Arkix. Suite à ça, à tour de sorcier. Puis après ça, au dernier anti-aérien qui reste pendant que l'Arkix du centre tirait encore sur le molosse. Il reste encore l'Arkix au centre, par exemple. Toutes les autres défenses sont détruites, puis l'Arkix est détruit. Il reste encore un molosse en vie, avec beaucoup de ballons quand même. Il y a un beau split ces ballons, il était chanceux, ça allait être énormément son clean-up, étant donné que toutes ses autres troupes de son kill squad, excepté la petite golimite qui est là tout seul. Mais tout le restant est mort. Quelques archers qu'il y avait pour faire le clean-up quand même par la suite, mais c'est des ballons qui font le gros de la job. Une petite cabane dans le coin et 3 étoiles. Good job, membre. Après ça, on va aller voir le 10. Emmerich qui a fait aussi un go mobile avec des sorciers de glace. En plus, c'est une très belle base pour ça, étant donné le beau corridor qui est juste là. Avec les anti-aériens qui sont là, le souffleur qui est là. Pogner la reine avec le château de l'an. Ben, c'est pas mal très merveilleux.
Le golem est rentré, les sorciers commencent à établir le funnel, le roi puis la reine, les boulisses, mais il reste encore toujours ces quatre sorciers de glace qui gardent en arrière. Le bébé dragon avec les gargouilles qui sortent. Il met son sort de guérison pour réserver ses sorciers, puis il élimine le château clan, pouf, de même. Avec les sorciers qui ont rentré, les sorciers de glace qui rentrent en ligne de compte. Il gèle l'anti-aérien. Après ça, il passe en avant des golems, ce qui cause vraiment leur perte. Puis les petits sorciers de glace ne feront pas vraiment long feu. Ils n'ont pas arrivé à geler les Arcanes, ce qui aurait dû être leur target principal. Mais il a déjà commencé à déployer ses ballons. Encore une fois, sort de rage pour les accélérer. Dernier sort de rage pour éliminer le souffleur, pour éviter que ses ballons au centre soient trop poussés puis qu'il laisse la défense au centre. Sa reine est toujours à bien de mourir. Mais il reste encore le molosse qui va se prendre de défense en défense comme ça, et qui va servir d'un super bon tank pour ces deux petits ballons-là. Que les ballons, ils se promènent très très bien, ils font une belle job. Il reste un Tesla, un mortier, et c'est fini. Le restant, ça va être. Ah, il reste un canon? Ben oui, il reste un canon, je ne l'avais pas vu. Et le canon, après ça, c'est une question de clean-up. Mais comme il reste un beau ring tout le tour, les ballons ont le beau jeu, ils vont pas trop se promener, étant donné qu'il n'y a pas de split des ballons, que tous les ballons étaient hauts ensemble. 3 étoiles, même si les sorciers de glace n'ont pas fait une super job. Le prochain, on va aller voir le 8. Perceval avec un Queen Walk cochon. Donc les bébés dragons qui sont placés pour faire le funnel, si vous regardez bien en haut à midi, il n'y avait rien qui pouvait vraiment attirer le bébé dragon. En droite, le bébé dragon devrait avoir une structure pour assurer que la reine rentre en dedans. Mais le bébé dragon, lui, en haut, il a tout le beau rôle. Vraiment, avant que l'anti-aérien le tire, il va être bon pour éliminer pas mal de choses. Là, la reine a été déployée avec les guérisseuses, 5 guérisseuses. Un gros queen charge. Si la reine était morte, cette attaque-là, c'était fini. L'attaque, elle passait pas. C'était vraiment l'élément clé. C'était la reine qui va aller éliminer l'autre reine, le château de l'an. Un Arcanix au moins. C'était ça le but de la reine en question. Le château clan était sorti par le bébé dragon, mais là la reine va rentrer dans le rayon du château clan, le restant va sortir. Sorcière, valkyrie, sorcier, archer. Tout ça avec deux sorts de poison, ça t'offre pas longtemps. Puis la reine apprend le petit corridor naturel, elle a pas peur des trappes, ça lui fait rien. Puis elle continue pour éliminer l'autre reine. Suite à ça va être le dernier petit sorcier qui a été parti prendre une marche vers le roi. Éliminer les sorciers, les Arcanix, les cochons sont déployés une belle ligne de 3h à 6h, avec un sort de guérison au point de vue des grosses bombes, et une autre ligne de 6h à 9h. Encore là, avec un rage, qui était supposé être une guérison en fait. Elle était un misclic de ma part. La guérison a suivi vers après, mais la reine n'avait pas quand même besoin du rage. Ça allait vraiment super bien. Le château clan a été mis en haut, encore là, avec plus de cochons. Juste pour s'assurer que la reine n'ait aucun problème à finir à être en vie pour le clean-up. Mais malgré ça, avec la quantité de cochons qui reste, le clean-up ne serait pas un problème du tout. Il en reste vraiment beaucoup, beaucoup de cochons. Très le fun à faire comme attaque. Très efficace surtout. Ok, la prochaine, on va aller voir Sly. Sur le 2, qui a fait un Queen Walk P.K.K.A. Boulisse mineur, qui est vraiment une superbe attaque. Un petit ballon aurait été le fun. Il a fait sortir le château clan, Molosse avec un ballon dedans. Il a mis son poison pour le ballon avant que le ballon atteigne sa reine. Il veut que le ballon soit mort. Le Molosse, il fait pas de dommages. C'est pas le Molosse le problème, c'est vraiment le ballon. Le ballon est mort avant de rendre à sa reine.
Et le Borough, les petits pops, c'est juste une question de temps avant que la reine les élimine tous. C'est vraiment pas plus dur que ça. Le truc, c'est de prendre mon poison pour le ballon et non pour les pops. Un sort de rage pour aider la reine à survivre à tout le DPS qui lui rentre dessus, beaucoup de défense de points qui lui tire dessus simultanément. Surtout le souffleur qui fait qu'il interrompt la guérison. La reine, elle va pas tirer le souffleur parce qu'il est au-dessus de 5 cases. Puis là, la phase 2 commence avec le PK, sorcier de glace et des sorciers réguliers. Il va arriver à éliminer une grosse partie de ce coin-là pour être sûr que les boulisses et le roi rentrent à l'intérieur. La tribu de la reine est prise parce que là, il y avait la tour de l'enfer qui lui tirait dessus avec 3 Arcix. Puis, ça continue, les boulisses rentrent en dedans. Puis élimine une bonne partie de la base, l'attribut du gardien est pris. Il va arriver à préserver, à faire face à la tour de l'enfer, ainsi qu'à l'égartilleur, parce que l'égartilleur est quand même très loin au centre. Là, le roi a reviré de bord, il a pris le sort de saut, puis il est rentré dans le centre de la base. Les mineurs sont lâchés pour l'hôtel de ville. Ils ont déjà détruit 2 Arcix. Ils ont déjà eu l'égartilleur. Puis ils attaquent aux 2 autres Arcix. Il reste encore un sort de guérison pour les mineurs. Ce qui est vraiment assez superbe point de vue de qu'est-ce qui reste à éliminer pour cette base-là. Il met son sort de guérison en haut pour les mineurs qui sont là. Des autres, ils sont proches de la reine. Donc les guérisseuses ont des fortes chances de guérir les mineurs aussi si les mineurs sont vraiment collés-collés sur la reine. Puis les mineurs continuent encore. Il y en a encore en haut. Il y en a encore en bas. Ça va très bien pour Sly dans cette attaque-là. Si les boulis seraient pas toutes morts au début, ça serait déjà fini, selon moi. Le réservoir d'élixir va tomber. Puis la reine continue avec les mineurs. Et putain! Il manquait pas gros. Il manquait vraiment pas gros. Mais c'est une belle attaque quand même. Prochain, on va aller voir moi-même. Contre l'or 1. Bon, je commençais avec une Queen Walk. Queen Charge plus. Je vais ouvrir le mur du coin. M'assurer que ma reine rentre à l'intérieur. On va éliminer la caserne de noir, parce que l'extracteur d'élixir. Après ça va être le réservoir d'or. L'antiaérien, j'envoie un autre sapeur pour ouvrir le coin intérieur pour que ma reine continue en dedans. Un sort d'orage pour la garder, pour la remonter pleine de vie avant qu'elle fasse face à la reine. Elle élimine la réserve d'élixir, on va éliminer l'Arkix. Sort de poison, bébé dragon et gargouille. Les gargouilles t'offriront vraiment pas long dans le sort de poison et une petite archère. Puis, suite à ça, la reine va descendre vers 3 heures. Là, elle baisse en vie, elle baisse en vie, elle baisse en vie, elle continue. L'attribut est pris. Elle élimine encore beaucoup de défense. Elle s'est collée sur le centre. C'est pas trop grave. L'attribut du gardien est pris. Pour préserver la reine, les guérisseurs changent de cible parce qu'ils ont rempli le gardien et ils ont pu sauver la reine puis la faire rentrer. Les géants et les boulisses sont déployés carrément à 2 heures. Puis l'autre, ils commencent leur carnage. Il y a un petit sapeur qui a continué son chemin, il a pris le sort d'orage et il a pété le mur. Ça, c'était pas supposé, mais ça l'a aidé pas mal. Puis là, les géants avec la rage, le roi, le gardien et les boulisses, tout ça, ça continue leur chemin. Pour défaire la base, j'envoie les Valkyries au centre. Puis la reine vient juste de mourir, mais les guérisseuses vont changer pour les Valkyries. Un beau timing, je mets le sort de saut qui était supposé pour rentrer dans le centre, mais là pour sortir du centre, pour aller détruire l'antiaérien. Comme ça, que les guérisseuses restent en vie, qu'ils fassent un bon support pour les Valkyries. Pendant que les boulisses, eux, continuent leur petit bonhomme de chemin par en bas, mais pas pour très très longtemps. Les Valkyries, eux, ont quand même le beau rôle de pouvoir continuer.
Il y a des Valkyries en haut et des Valkyries en bas. Ils vont éliminer les défenses. Le restant, c'est une question de clean-up. Il a un mur à défaire et deux structures à enlever. Il reste 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes et non. 99%. Le pire, c'est que j'avais un sorcier que j'ai mis, que je voulais garder par après, mais je l'ai mis au début pour faire entrer mes jambes et mes boulisses. Et ça reste sûrement pas assez. Mais c'est pas plus grave que ça. On a gagné la guerre. C'est une belle attaque. Notre pourcentage était bon. On avait un très bon pourcentage de destruction totale, qui était de 96%. Seulement 40 étoiles. Par contre, d'habitude, on va chercher pas mal plus 42. Donc, très belle guerre pareil. Sur ça, c'est la première fois que vous voyez ma chaîne. Abonnez-vous. Je sors des vidéos régulièrement. Et commentez, j'aime ça répondre à vos commentaires. Lâchez-moi un like. Sur ce, je vous dis, clash on, gang.